Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, il est Dumas Masson, je suis content d'entrer la caillou avec la plateforme Le Témoin. Depuis toute semaine, le pays a connu une grosse crise. Une crise qui a commencé, le premier ministre pays, Ariel Henry, a décidé de monter le prix gaz. La population en colère et l'autre pays. Machine pas circuler, magasin pas ouvert et en pile côté bloqué. Et nous assister à un pile scène de pillage dans tout le pays. Est-ce que Ariel Henry a raison de monter prix gaz là? Et qui ça qui a fait jodi pour débloquer la situation? Pour nous répondre à la question, ça yo, moi pral gon conversation jodi avec économiste Eddy Labossière, docteur Eddy Labossière. C'est une personnalité publique qui est très connue, qui est habitué à parler dans les médias. Et c'est un monde qui a une position très tranchée sous situation. Nous allons découvrir ça tout de suite. Je vais inviter au Prenti Chesbao. Nous allons faire un petit parler pendant 30 minutes dans le téléphone avec l'économiste Eddy Labossière. Je vous souhaite une bonne écoute. Allô? Bonjour, économiste Eddy Labossière. Bonjour. Docteur Eddy Labossière, Mtado Eddy. Ou c'est économiste, ou c'est professeur des universités. Merci parce que vous avez parlé avec nous dans la radio Le Témoin. Nous prenons parler sur l'actualité, sur la crise gaz, sur le problème économique pays. Mais comment y est, docteur? Bon, nous là, on a vu une situation avec beaucoup de douleur, de recul tout, parce que nous avons une certaine expérience de situation, ça veut déjà, depuis ce Jean-Claude Duvalier. Mais c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, beaucoup d'empathie pour le peuple haïtien qui a vu une situation. Cette situation n'est pas supposée arriver là-dedans. C'est parce que nous n'avons pas des vrais hommes d'État. Et nous avons des raqueteurs politiques. Je ne paraphrase pas pour me reprendre l'engagement d'un homme politique. Mais il n'y a pas contre bagaille. Il est entré dans l'État, il n'y a pas contre l'État. Parce que pour connaître l'État, il faut avoir été dans l'État. Il va être vraiment en profondeur dans l'État. Donc, il vient là. Parce que comment voulez-vous, on est ce chef gouvernement, son premier ministre, la population a manifesté contre pour quitter le pouvoir et le moment où elle prend cette décision, ça a augmenté le prix. Ça a même, comme disait l'autre, même mon fou saisi. Il a manifesté pour quitter le pouvoir, pour aller. Il ne faut pas ça pour faire. Non, peuple qui déjà dans une situation de misère extrême. C'est marché, vous avez marché dans un pays avant de faire les misères. Les finitions par ça, alors que les produits sont produits transversaux de tout le monde qui consomme. Donc, vraiment, c'est avec tristesse que, non seulement ma propre situation, mais ma propre des ignorants qui sont arrivés à la tête de l'État dans ce pays. C'est ça le drame, ce sont des ignorants, vraiment ignorants. On ne va pas même passer l'école. Évidemment, on comprend en pile là, il y a des gens qui étaient en chômage depuis longtemps, ils ont réussi à sortir en chômage. Donc, on y a fait tintin, mais c'est dommage. Ok. Ou c'est docteur en économie ou fait qu'on a plusieurs universités, université Kiskeya, université Inagé, etc. Université l'État d'Haïti, faculté Inagé, m'te l'ou dit. Gouvernement a décidé d'augmenter prix gaz là et premier ministre l'a dit que subvention gaz là coûtait l'État 3 cob, 50 milliards de goudes, l'a dit. Est-ce que gouvernement a raison pour le monter gaz là? Monsieur, ça c'est une question pertinente, grand pile profondeur, et que il n'est pas facile pour le contexte ça, et pour bailler vraiment une réponse très claire, c'est analyser pour analyser peut-être le contexte là pour arriver à comprendre ça qui passé. Est-ce que l'augmentation est justifiée, des choses comme ça? Et même moi, je tout le temps dit, ma brûlée en moi, il y a la loi de mars 1995 qui bat le gouvernement cette latitude d'ajuster les prix à la pompe sur aligné sur le prix international. C'est-à-dire que on va prendre gaz en fonction du prix international et pas subventionnel. Mais ma faveur est argument ça. Il faut suspendre subventionner le gazoline, non? Pour la bonne et simple raison, c'est Grenet qui bénéficie. Les gars ont gros business, ça font paquet de cob, la fait cob là à partir d'un gaz subventionné. Les gars sont gros machines qui bouillent un pile gaz,
charger l'argent pour nous avoir un nègre un gaz subventionné. Pas normal. Et en plus de ça, il y a un nègre qui comprend le gaz à l'Allemagne et en République dominicaine. Parce que prix gaz en gasoline en Haïti, toujours inférieur à prix gaz en gasoline en République dominicaine. Comment? Donc, sous cette base, je me dis, mes amis, ne pas qu'à subventionner des gens qui gagnent. C'est des pauvres qui nous subventionnent. Ça, c'est le premier parti argument. Et donc, force de la durée, d'une manière ou d'une autre, on élimine la subvention. Mais l'analyse de la situation, hein, on analyse où elle a été, degré de misère que la population. Vous écoutez, Radio, le témoin. Sur les 13 millions d'Haïtiens, il y a à peu près 8 millions qui sont en situation de pauvreté. À l'intérieur, il y a même 3 millions qui sont en situation de détresse alimentaire. Pas de d'insécurité alimentaire, non, de détresse alimentaire. Et on va y aller fondamental pour me mettre sous table rapidement. Et dans tous les pays du monde, l'État va subvention. L'État aide des mondes. Par exemple, aux États-Unis, les hauts vendent gaz en gasoline, non, il va y avoir subvention l'État. Mais sauf que même l'État, ça, là, il subventionne les mondes qui va gagner. Sauf pas aux États-Unis, il va plutôt pauvre. Il y a plus de pour vous, il y a pour le docteur, il y a pour les copains régulièrement. On va y avoir des foutus pour aux États-Unis. Donc l'État aide les mondes pour vieux en Haïti, il va y avoir comme ça. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est seule subvention finalement que le peuple a gagné. C'est pas ici avec une subvention. Même l'arrivée dans le ministère qu'on pense qu'il y a des subventions. Le plus souvent, les amis me disent, bah, comme ça. C'est là, on a besoin de monde qui sont en zone défavorisée, qui bénéficient de subventions de l'État. Mm-hmm. Donc l'État va pas subvention. C'est là, il faut aller prendre question là. Ou même bien parti avant, il m'a dit, il faut éliminer la subvention. Parce que c'est qu'un aide qui bénéficie de tout. Mais là, il faut aller plus loin. Ou on va aller, on va jamais une subvention. Mm-hmm. C'est sur le côté. Produit ça en gasoline, ou bénéficier d'une petite subvention. Ou pas qu'à retirer le dépôt ni pour retirer la subvention. Il y a sauté pays à sous. Vous comprenez évidemment, le premier ministre, elle pense le fort parce qu'il y a à peu près 40 machines qui bat la sécurité. Donc là, vivons l'autre monde. Parce qu'on pas qu'à premier ministre, on a demandé pour aller, le moment pour aller monter plus de gasoline. Comprenez? Donc c'est peut-être la folie furieuse. Mm-hmm. J'aime bien tout à l'heure, au micro. C'est même mon fou saisi parce que le moment où il y a manifesté le monde pour aller, c'est même mon moment ça où il n'y a pas le monde pour aller baisser. Ou est-ce que c'est un fou qui a mené le pays? Parce que si tu es tout droit, tu n'as pas même moyen pour dire au contraire, tu as même essayé de baisser le même. Mm-hmm. Comprendre donc, on ne peut pas retirer la subvention parce que finalement, c'est la subvention. Mon papi, oui, bien joué. En principe, il faut retirer la subvention parce que c'est le grenet qui bénéficie. Mais comme le peuple a cette seule subvention joigne, on ne pouvait pas retirer comme ça. Mm-hmm. Pas qu'à retirer, il faut être très intelligent, très rapide pour t'a retirer. Et là, ça, qu'on y a, c'est pas bluff ou habitué ou pas avec pour un ministre qui peut-être des longtemps en chômage, et si j'ai une petite job, déparer le vidéo, pas le fait social pour mon défavorisé, alors que social, ça, même les faits sont qui calculent, ils ont été dans le social. Mm-hmm. Mon cher, pour t'a retirer les subventions, ça, c'est tout une pédagogie. C'est toute une pédagogie. Et pédagogie, ça a commencé dans la conception du budget même de l'État. Côté la conception budget, l'État, on fait un paquet de subventions pour les gens les favoriser. Ok. Où écrit sous page Facebook, docteur Eddy Laboussière, que décision gouvernement pour augmenter le prix gaz là, qui vient de faire le prix gaz là, qu'on y a un pichet que gaz qui n'est pas subventionné aux États-Unis, hein, ou dit que décision ça n'est pas ni logique, ni rationnelle. Est-ce que c'est parce que décision ça apprend un moment ça, moment pas approprié pour décision, hein? Ou bien. Est-ce que d'abord, il faut que tu aies des autres gestes qui fait à l'endroit de monde qui n'est pas capable? Il y a toujours ce qu'on appelle, on doit avoir une décision pour prendre. On va prendre, parce que dans toute décision, on a pour faire dans la vie ou bien vie publique ou vie privée, on va avoir le timing. Est-ce que le moment était approprié pour prendre une décision? C'est ça la question. Pas bien, d'accord à la décision, arrêter les subventions. Parce que je ne suis pas d'accord que le grand nègre a bénéficié. Mais il faut avoir le sens du timing. Est-ce que le moment était venu pour retirer la subvention? Comprendre? C'est la réponse est non. Là, il y a quelqu'un qui va répondre ça. Ou pas de retirer. Ou pas de retirer, mais je vais tourner encore pour me dire. C'est la seule subvention que malheureusement dans le pays. Mm-hmm. Dans le pays, aux États-Unis, lorsqu'on compare le prix barrique et gaz en gasoline avec l'aide dans l'aide de pays, on pourrait légèrement plus cher en Haïti. Mm-hmm. Vous comprenez? Mm-hmm. Le gouvernement américain va subventionner le gasoline. Mais ce que le gouvernement américain donne comme subvention sont pas extraordinaires.
soit aux États-Unis, on va regarder un haïtien, une haïtienne, qui peut-être dans 70, 80 ans, qui fait entrer aux États-Unis avec résidence, qui va ramener aux États-Unis, le gouvernement a tout ça le besoin, même. Même l'Asie, il y a un monde. C'est-à-dire que le pays a subventionné, il n'y a pas de gasoline, il n'y a pas subventionné. Mais bon, bonne notre bagaille, subventionné l'en bagaille. Mon exemple, la personne n'a jamais travaillé aux États-Unis, arrivé avec l'âge. Comprendre, il dépassait 75 ans, mais dans 75 ans, mon cher, il a tout bagaille. Il a un appartement pour l'été, il a voulu manger par lui, il a 4 bagailles, docteur. Mon n'a pas mon dit, j'aime vivre dans le pays avant. Au dernier moment, entre aux États-Unis, ben, je m'en dis là depuis longtemps. Comment que l'État américain subventionnait Mounio dans footstep avec le publié non j'ai aidé Mounio. Ou même on passe ça. On passe ça, malgré le pas une subvention dans rien, c'est celle qui subvention. C'est là où il y en a eu crétin. Par contre, tu n'as pas un diplôme. En même temps. Donc, tu n'as pas un crétin en pile même, parce que vous faites de faire, vous faites de faire l'analyse que ma parole là. Les filles qui sont bonnes, vous feriez, dernièrement, il y a annoncé. Il a augmenté, il a changé quoi c'est en décembre 2021, il a augmenté lui. Le fait du welfare social, moi je vais mettre un petit cal comme la sociale là et finalement comme la part même rivière. Il a même encore Gilles. Docteur Laboussière, en même temps, question gaz là, son serpent de mer, ou dit que ce n'est pas le bon moment, mais tous les gouvernements successifs depuis un certain temps, ils ont essayé de manger question gaz là et ce n'est jamais le bon moment. Jovenel te essaye nous songer, pays a crasé avec, Ariel fait là, pays a prendi fait avec là. Monsieur, on sait que c'est que j'en sens le bon moment, le sens du timing, et ça me sera tout là. Monsieur, c'est toute ton révolution pour ta fête, pour changer pour gaz. Pour le bail, faut avoir un plan de développement préparé par le ministère de la planification. Mais depuis quelques temps, le ministère de la planification n'a été pas fait plan. D'ailleurs, je suis terre, il y a géré des projets, il y a fait quoi. Tout ministre qui va s'en aller. C'est la pétrole qui est passée, c'est que là, on a une copie de trésor gaspillé dans le projet, va ramener la plupart du temps, va arriver à aboutissement. Donc, pour le gouvernement haïtien, tu as finalement quelque part éliminé les subventions, parce que pour lui, pas bien. Et au départ, moi, je suis en faveur très nettement de l'élimination de la subvention, parce que c'est grand qui bénéficie. Il faut éliminer. Mais avant d'éliminer, c'est pas seulement le sens du timing, ils n'ont pas quelques priorités. Une des premières priorités, faut faire un budget de la République qui pas semblé à un budget qui est habitué à faire. Son budget de vagabondage qu'on fait. D'ailleurs, ce n'est pas un budget, son liste d'activités avec pour. Ce n'est pas même un véritable budget. Parce que c'est un budget au grand ensemble de politiques publiques qu'on définit très clairement pour dire, mais quand on prend un pays, on prend A, on prend un point B. Par exemple, pas gain du riz et nous importer plusieurs, en pile tonnes de riz chaque année. Mais désormais, dans 3 ans, 4 ans, chaque année, on a produit du riz. Plan à prévoir production de riz pour nous arriver à une certaine autosuffisance alimentaire. Okay. Donc, on y a pour t'arriver à éliminer, mais espérer qu'il y a attendu. Évidemment, on est politique, on politique là, ils sont tellement sans honte, tellement en pile là, dans la misère, de là, ils viennent au pouvoir, son seul là qui est intéressé, c'est faire l'argent. Il va un temps pour réfléchir sur le développement. Puis, et même là, c'est réfléchir sur ça, mon cher, moi, quand c'est Camari, il y a un peu de neige, mon cher, on dégage une prince, on t'apprend. Soit le voler dans les fonds du trésor, soit le voler dans les projets type Pétro-Caribé. Donc c'est le voler qui est intéressé dans les gens, pas intéressé à développement pays. Si tu es intéressé à développement pays, on va prendre l'autre conception du budget. Le budget haïtien est un mauvais budget. Le budget haïtien, c'est un budget dans lequel on paquet de dépenses. Et c'est des dépenses qui ne sont pas appropriées. C'est des fausses dépenses. Tu comprends? C'est pas dépenseuse. Donc, ce qu'on y a, comment on ne peut pas le faire sur un budget. On ne peut pas le faire sur un budget côté pour les premiers ministres, le Parlement et la présidence, un paquet de corps. L'argent sera retiré. Si on va le faire avec eux, eh bien, il faut que le FAU, il n'y a pas le niveau pour faire les gens et le gouvernement américain, c'est ça. Aider les gens qui ne sont pas capables. Ça veut dire qu'on ne peut pas le faire un budget pour pauvres. Ça veut dire que son budget systématiquement, quand il y a des gens dans la zone défavorisée, sortir dans l'état mal cité côté. Il y a l'argent dans le budget pour ça. Il y a l'argent dans l'état actuel budget avec 200 milliards de gouttes. Mais il y a l'argent. Et là, moi, je ne vais pas une capacité, je ne vais pas un décorum. Il fait la réforme fiscale. Si on fait la réforme fiscale, on va le faire. Sur mon budget de 200 milliards de gouttes, là, passe à 400 milliards de gouttes, tellement avant des comptes. La réforme fiscale, son bail qui va le permettre, tout dans un premier temps, éliminer contrebande. Tout haïtien, tout gouvernement, tout rapport sur Dieu de l'État haïtien,
perdu chaque année au moins 500, 400, 500 millions de dollars américains en contrebande seulement. Combattre fraude fiscale, évasion fiscale, évitement fiscal, l'optimisation fiscale. Entreprise haïtienne et fait un pile d'optimisation fiscale, ne pas forcément pas payer, non. Mais ils ont entré dans la loi, ils ont comment ils ont contourné la loi. Stopper bagage ça, ils ont fini par buer l'autre bagage, franchise là pour suspendre franchise là, bail franchise là, le petit tonton dans l'église, je vais franchise, gars ça va faire. Là, n'importe les armes, mais il y a un qui est pas qui ont metté nos bails bandits en pile balle. Pour toute la journée, il y a pas de problème. Donc, pour être franchise là, son bail au mal. Donc, tu fais la réforme fiscale, l'État t'a rentré en pile l'argent, frère. Il y a avec l'argent ça, ou pas quitter député, ou pas quitter député, sénateur, il mange comme la maman. Parce qu'on connaît qu'il y a un autre gros problème dans le pays. L'État fait un budget, il faut le passer dans le Parlement. Donc, si il dit à l'homme, mais il n'y a pas de temps, il n'y a pas de budget, il ne faut pas mettre encore pour le Parlement, ou mettre encore pour tel côté, il y a le planning. Donc, tu as un problème, il y a tout. On n'a pas de problème. L'on vient avec une chambre de député, une chambre sénateur, il n'y a pas vraiment de patriote. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lui, il n'y a pas de écrit, non. Le problème, c'est qu'il n'est pas patriote. Donc, il n'y a pas de lui, il n'y a pas de écrit. Eh bien, ajoute à ça ta patriote, et bien la promette sur une rime là. Ça veut dire que tu chambres député, chambre sénat, pas fait travail, rien plus faire. Vous comprenez? Il est regardé où est primature, qu'on pas qu'être corps, présidence, qu'on peut être propre, il veut remplir comme tout. Le Parlement de changer pour mes budgets, le Parlement, c'est à peu près 1 milliard de coûts. Mon cher Kounia, ça va aller dans les 14 milliards de coûts. Donc l'argent pays a mal utilisé ou mal servi avec l'argent pays a. En clair, il faut un gouvernement légitime. Il faut un gouvernement, mon cher, on va connaître. Il faut un gouvernement légitime qui ne peut pas prendre du talent, mais ni international, ni secteur privé, ce qui sera très difficile. Pour qu'il résoudre le problème, ça, pour faire une véritable révolution, même à l'intérieur du budget, où ils ont leur forme budget, budget ou gain, ou pas gagner l'argent pour balancer des secteurs. Par exemple, on va regarder un gars qui veut députer par une machine, 80 000 dollars américains. Il y a des flottes machines pour les ministres, ça va être terrible, il y a 34 voitures et des voitures de gros prix. Comprenez? Donc, la plupart des dépenses qu'on fait, ce n'est pas des dépenses qui sont appropriées. C'est des mauvais moments, mais c'est même moi chercher pour voir. La plupart des dépenses dans le budget de la République, c'est ce que moi j'appelle des mauvaises dépenses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas respecté le coût d'opportunité de cette dépense. Ce que j'entends pour coût d'opportunité, ou l'eau fait bagarre là, je vais faire l'autre côté, la plus bon pour l'ensemble de la population. Donc, pour éliminer subvention, ça, et nous sommes contents que éliminer subvention, ça, mon paquet de prérequis, les premiers prérequis là, c'est vraiment, vraiment, vraiment changer le budget. Vous souhaitez évoquer tout à l'heure, international là, pièce, moun pas parler de ça, mais gouvernement signe un accord avec FMI dans le mois d'avril 2022. Il y a un accord qui dit qu'il faut le quimber déficit public là à 1,5% de PIB. Est-ce que Ariel Henry a un choix par monter prix gaz là? Mais il y a un choix. Parce que ce sont des ignorants qui nous gouvernent qui ont fait un choix, qui ont fait pas un choix. Blanc du quimber et financement déficit budgétaire à 1,5% du PIB ou encore la création monétaire à 2,2% du PIB. Mais Blanc, ça est flexible. La pointe en difficulté. Le sac fait qu'on y a un problème avant, l'abgade de vérifier qu'on bonne dépense pour faire l'autre côté, on va t'obliger à faire. C'est ça, oui, là. Ah oui. Ah oui, qu'on bonne notre dépense, on est de couper. Avant, on vient, il en monte pris gaz là. C'est de l'envoi imbécile, l'abgade. Si vous pensez que vous va suivre, où. Donc il n'y a pas le coup d'air. Il n'y a pas de problème, non. Ou t'es capable de monter, ou t'es capable de subvention. Hein. Mais qu'on y a un paquet de dépenses, ce que j'appelle les mauvaises dépenses du budget, il faut éliminer. C'était un bon accord, accord avril 2022. Hein? C'était un bon accord avec FMI. En principe, on peut respecter tête, on ne peut pas quitter le fonds. Mais même dans l'imposition pour voir un pays d'Haïti, on ne peut pas parler avec le fonds monétaire international. On ne peut pas parler avec le fonds monétaire international. On ne peut pas recevoir même. C'est son chef. On est en bas à recevoir. On est assistant, on ne peut pas recevoir. Parce que ça, on lui demande même dès que tu as fait mieux. Dès que tu as fait mieux pour ne pas gagner des déficits budgétaires du tout, pour ne pas gagner une création monétaire, tu n'as même pas l'avoir. Ou tu as constaté que sorvinement des mains au contraire me dépasse en termes de contraintes. C'est-à-dire que pour dégager, réduire le compte de banque, faire bien plus d'argent que tu es dans la caisse de l'État, ça ne me pas un problème. Mais qui gagne une franchise, et vraiment, tu n'as pas des franchises qui méritent. Tu n'as pas les bagailles, vous comprenez? Ça, vous comprenez? On est ici, on est en banque domestique, on est en train de faire des effets de copieux. Je ne vais pas rentrer dans tout détail, ça y est, vous comprenez?
Yo fait exactement ça, blanc, yo fait, mais sous quel fruit fini, vous êtes blanc ou honnête. Yo pas même venir mettre tout, vin, tu vois, mon cher, il faut maintenir ça à 1,2%. Si vous regardez aucun équilibre budgétaire, il y a une fois dans ce pays, c'était le ministre des Finances, pas vrai. Non seulement M. Gagné qui le budgétaire, le bon surplus budgétaire. Dans les fois, dans 2004, ce sont des gens qui gèrent l'argent avec un bagage, un talent extraordinaire. Donc, il y a des dépenses qu'il ne faut pas faire. On achète des gros machines, bah, il y a qui va mériter, pour que ça me balance une machine 4x4. Une grosse machine 4x4. À part le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, qui mérite une série de gros machines. Mais l'autre monde, on ne va pas gaspiller. Comment ça va être mon parlement, plus de toutes pile machines, ça va. Et le drame qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun problème. Moun ki importe machine, ce sont des moun qui financent l'élection. Donc on ne peut pas stopper eux. Parce que papa, ce n'est pas eux facile comme ça. Parce que n'est-ce pas financer campagne électorale, lui se vendeur de voitures sur le marché, on ne peut pas stopper, il faut le vendre machine. Si vous commandez 50 têtes de cela, il faut le vendre. On ne peut pas dire non. Vous comprenez? Donc ce n'est pas un bagage facile, non, ça m'a tout là. Mais de toute façon, ce qui est clair, il fallait éliminer les mots. Même petit gouvernement, ça, là, qui va comprendre rien. Bah, de son bon show, mais qui veut au pouvoir, le nec, ça, mon cher, il y a des tout pays à l'amour. Parce que les premières fois, ils ont un bon job. Comprends? Donc, lui, pour faire n'importe quoi, qui va correct, qui va aller dans le sens du développement de ce pays, qui va aller dans le sens que d'optimiser les recettes de l'autre pays et puis dépenser. Donc, il y a tellement de mauvaises dépenses dans le budget, le gouvernement doit l'ambiguer à l'éliminer, les salles d'apprentissage des subventions. Je dis en la ria en colère dans tout pays a lock. Y a pas des gouvernements pour tourner sous décision et gouvernement persiste et signe. Gouvernement campé raide. Qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est très compliqué là parce que c'est très compliqué. Ça dit qu'on pas d'arriver là, des arriver là vous perdu. Qui est-ce qui perdu? Donc pour vous, gouvernement perdu, gouvernement tombé. Il est tombé. On va laisser Kembe, mais c'est Kembe pour elle. Regardez l'histoire de Baïssa, depuis sous Jean Claude Duvalier, sur mon cas, gain connaissance, sur des mon abonnement d'information, sur ça. Il a perdu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne fallait pas faire. Il faut connaître que, évidemment, je pense que chaque jour, Farine a vu dans le même sac là. Lui, le président, et ancien président Kembe, c'est pas manifestation que j'étais. Le final de faire hypothèse ça. Ou bien encore, car il y a 34 machines qui entourent, il pense que tout le pays a même niveau de sécurité avec lui, donc il prend décision. Mon cher, lorsqu'on prend une mauvaise décision, son homme nettoyé, il faut un courage qu'on prend pour une mauvaise décision. Et non seulement tourner sous lui, mon cher, retirer quoi contre le regard, il dit, mais c'est fini. C'était pour prendre une mauvaise décision, il faut payer pour la mauvaise décision. Retirer quoi, bah, les missions à faire autour. C'est ça qui est là, oui. C'est pas ça, c'est population à faire souffrir pour rien. Parce que les peuples prennent la rue contre le frère, tout le temps, il n'y a pas une salle besoin, le pape camper, le pape entrer. Mais il faut faire entrer le peuple. Donc, même si c'est retirer décision, il faut retirer quoi. C'est dernière chance, ok. Parce que la case, il est plus mal pour vous. Retirer décision, ça a été une mauvaise décision. Encore une fois, pas oublier, même du moins pour décision, mais c'est pas comme ça. Il faut avoir le sens du timing dans l'application de la décision. C'était pas le moment de le faire. Au long de situation, c'est peut-être ça. Baptiser augmentation de crime économique pour que ça me le crime économique pendant 2 mois consécutifs, on comme inflation de plus que 4% pendant 2 mois consécutifs. Oui. Et moi, je suis venu là, le roi le bas où inflation, mois de septembre, moi, peut-être demain en terre, puis qu'arrivé 50%. Et bon, dans une situation comme ça, vous avez échoué. Vous avez échoué parce que le paquet pour le pays, il n'y a pas qu'à manger. Sous 8 sous 10 AI5 sont dans la classe moyenne, tombé dans la classe pauvre, on ne va pas l'avoir là. 8 sous 10 AI5 dans la classe moyenne qui crissait dans la classe pauvre. Et il y a un monde qui est dans la classe pauvre, on est entré dans une situation de misérabilité extraordinaire.
et bien, ou pas qu'à vivre tout bagage ça pour dire qu'il y a des pouvoirs, il faut qu'il y ait élection faite, etc. etc. Vous n'avez pas eu l'intelligence politique. Ouais, ce sont des ignorants encore, des mondes fous qui viennent en tête de ça. Des pourris, vous n'avez pas besoin de venir avec ça, dans la position ça. Ou même si t'es droit, t'es une fou, vous êtes fou. Oui, ils viennent en situation comme ça. Il faut avoir la vision d'un gouvernement. C'est pas, ce sont des hommes d'État. Entre guillemets, hommes d'État sans vision. Oui, ils viennent en bas comme ça. Ou tout le monde va capoter l'ambiance. Et même Chita, avec tout le secteur, discute avec eux-mêmes, sous perte de parti de pouvoir, des pourris, des premiers ministres. Comment les gens veulent prendre tout le pouvoir, c'est ça qui passe là, mais. Il va le perdre du tout. Et le premier ministre en situation ça, moi je suis monsieur été un point de patriotisme sur le trafic. Pendant la temps d'émission, non, il me l'a prévu. Il va démissionner. Il est éliminé. Avant le bail démissionner, il est éliminé. Augmentation, il est présenté démission à la nation. Il va connaître comment on va faire ça. C'est pas qu'un mécanisme constitutionnel qui permet de remettre et remettre au pouvoir. Peut-être qu'il va remettre en conseil des ministres. Retirer Colli dans le bagarre parce qu'il a joué, il a mal joué, il a perdu. Retirer Colli, parce qu'il a perdu pour jouer là toujours. On ne peut, pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps dans la vie. Donc, mon dernier chose, M. Guéla, c'est retirer Colli. Retirer Colli parce qu'il a mal joué, il n'avait pas compris. Il est entré dans l'état en monde fou. Et mais c'est ça qui est lui. Donc, dernier chance, c'est retirer Colli. Vous écoutez Radio Le Témoin. Merci un pile économiste Eddy Laboussière pour interview ça qui a passé sur Radio Le Témoin avec sur tout podcast nous yo. Mais j'espère que vous même personnellement vous prenez le temps de nous. Merci un pile tout le monde qui t'attendait. À la prochaine.